Profitant de sa vacance parlementaire dans le Massif Manimba, son fief électoral, l'honorable Antoinette Kipoulou a séjourné dans le territoire d'Idiofa où elle a pris part d'abord à la messe du cinquantenaire d'existence de la communauté des Sœurs de Marie Okwango, dit par le cardinal Fridolin Ambongo, laquelle messe a permis aussi à la bénédiction nuptiale du couple Willy Tundala Hassan, gouverneur du Kwilu. Pour l'honorable Antoinette Kipoulou, c'était une façon pour elle de témoigner son affection à ses frères et sœurs du Kwilu. Ayant toujours un œil regardant sur son cher parti le PPRD à Idiofa, l'honorable Antoinette Kipoulou a réuni les femmes du PPRD au siège du parti pour quelle qu'elle ait son moral. D'abord, elle a martelé sur le respect aux idéaux du parti, puis l'attachement exclusif à Joseph Kabila Kabangé, président du PPRD. À la même occasion, l'honorable Antoinette Kipoulou a prêché ses femmes sur leur participation au développement de leur milieu de vie par l'auto-prise en charge pour favoriser l'émancipation de la femme fadiolaise. Une question qui doit être aussi bien cernée pendant les mois de mars et a promis de pagne à toutes ces femmes. Mars est un mois de maman. Sur les 12 mois, nous n'avons que ce mois, d'où il nous faut le préparer en conséquence. Mars est un mois de lutte, vu qu'on a aussi des qualités. Battons-nous autant que les hommes. Le genre n'est pas exclure les hommes. Mama Idiofa, réveillez-vous. Des retours dans le territoire de Massif Manimba, l'honorable Antoinette Kipoulou, dit Mama Sociale, est allée aux rescousses de la population sinistrée à un récent affrontement entre cette population et la police, causant mort d'hommes et l'incendie de plus de 60 maisons d'habitation au village Kinabanda. Ici, en présence du gouverneur du Kwilu et plusieurs personnalités tant provinciales que territoriales, l'honorable Antoinette Kipoulou est venue avec un message de pacification et de respect à l'égard des services de l'État avant de remettre 1800 tôles en raison des 30 tôles par ménage. L'ambiance était bon enfant. Plus question de passer nuit sous la belle étoile, car la solution est trouvée par la généreuse femme Antoinette Kipoulou et la population en est fière. L'honorable Antoinette Kipoulou reste toujours une femme de fer dans la province du Kwilu et son dynamisme et acte de générosité brillent comme des étoiles.